Allez, hop. Donc, on va aller sur ce point. Tiens, mais d'ailleurs, à savoir que la carte est 3,5 fois plus grande que le précédent opus. Salut tout le monde, c'est XRouge, et aujourd'hui, on se retrouve pour le test gameplay découverte de Red Dead Redemption 2 sur PlayStation 4. Première chose que l'on pourrait noter, c'est déjà qu'il est très très beau graphiquement. Le jeu des couleurs, n'en parlons même pas. Ouais, il suffit de voir là le soleil à travers les arbres, c'est un truc de fou. Édité et développé par Rockstar Games, sorti officiel le 26 octobre 2018, et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans comme par hasard. Excellente note moyenne de 19 sur 20 sur Game Rankings. Pour cette première, du coup, on se dirige vers une mission où je vais devoir en fait faire une sorte de chantage en fait, tout simplement. Je vais devoir aller voir quelqu'un qui devait payer un des membres de mon gang en fait. Il y a un petit retard sur le paiement et on va voir du coup de quoi il en retourne. Je suis passé du coup en mode cinéma, vous voyez qu'il y a des bandes noires. Et on peut le retirer en fait quand on le souhaite, mais c'est pour en fait faire une sorte de course auto. Quand vous restez appuyé sur croix en fait et que vous mettez un marqueur sur la map, eh bien le protagoniste s'y dirige directement. Le protagoniste, c'est Arthur Morgan, qui fait partie donc du coup d'une bande de brigands. Le jeu se déroule juste après un braquage qui a mal tourné. Il fait partie du célèbre gang dirigé par Dutch Van der Line, qui sera l'un des personnages qui vous donnera de nombreuses missions dès le début du jeu. Le scénar se déroule en 1889, 10 ans, 10-15 ans avant les épopées de Red Dead Redemption premier du nom. Donc oui, John Marston est bel et bien présent dans ce deuxième volet. Et d'ailleurs, vous comprendrez pourquoi il a en fait une énorme balafre, une énorme griffure sur le côté de la gueule en fait. Donc voilà, pas de spoil, je vous en dis pas plus. Même si c'est expliqué dans le 1, là au moins on a une vidéo claire et nette qui nous montre ce qui était arrivé au protagoniste du premier volet. Je suis arrivé du coup sur les lieux de la personne qui n'a pas payé... Et je crois que c'est lui, oui. Plusieurs styles de mission, hein. Vous pouvez autant sauver des personnes, faire un interrogatoire un petit peu poussé, si je puis dire, une série d'éliminations à faire, des meurtres, aider vos amis même à s'évader de prison. Plusieurs styles, concepts et principes dans ce jeu vous seront proposés. Il y en a pour tous les goûts. À savoir que le protagoniste au début du jeu est tiraillé par ses choix moraux, il a été élevé dans cette bande de brigands, de pilleurs, de diligences, attaques de train et j'en passe. Et au fur et à mesure, des choix moraux s'annoncent, et voilà, tiraillé par un côté gentil, méchant, toute action que vous pourrez faire entamera sur une sorte d'alignement. Vous serez en quelque sorte honorable auprès de la citoyenneté. Toute action faite vous fera craindre par autrui ou respecter. Donc, bon, il veut toujours pas payer, il cause pas un mot d'anglais. Les sous-titres, vous pouvez les mettre durant les cinématiques ou même durant le jeu lorsque des PNJ vous parlent et vous accostent directement. C'est beaucoup plus simple, je vous conseille directement de le mettre si votre anglais n'est pas parfait. Pour moi, il était préférable que je mette les sous-titres, vu que le son de ma voix prime sur le son du jeu. Comme ça, vous pouvez toujours lire pendant que je suis en train de faire ce direct. Ça sert à rien de crier comme une femmelette, hein. Il fait limite pitié, le pauvre. C'est pour ça qu'en fait, au début du jeu, vous allez voir que même toutes les actions que vous allez faire, vous avez plus l'impression de diriger un antagoniste plutôt qu'un protagoniste, en fait. Avec tout ce que vous allez faire qui est plutôt tiraillé vers le côté mal. Bon, alors bon, mais on va pouvoir fouiller un petit peu pour que la dette soit remboursée. Ouais, voilà, on va chez quelqu'un qui est sans défense, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, on pille des choses chez lui. Enfin voilà, vous allez me dire, bon, si c'est comme ça tout le long du jeu, waouh, c'est... On n'a qu'à bien s'accrocher pour le scénar et pour le côté moral de la chose. Le jeu après, certes, même si il a pas mal changé par rapport au premier, du haut graphisme déjà de base, le gameplay quand même est assez lourd, je trouve. Le gameplay est un petit peu lent. Même durant les phases de gameplay, de fight et autres, hein, c'est
même je dirais plutôt un point négatif de la chose. Le gameplay est certes adapté, mais peut-être un peu trop lent à mon goût, je trouve. Même pas au niveau, par exemple, de la sensibilité, de la manette ou autre. C'est juste que les déplacements, je les trouve lents, en fait. Le personnage passe les trois quarts du temps à marcher si vous n'appuyez pas sur la touche croix, et sa démarche est très très lente. Même John Marston dans le 1 marchait plus vite. Et ça, je trouve que ça ajoute un poids qui n'est pas sans conséquence à l'immersion du jeu. Bon, de toute façon, j'ai toujours pas remboursé la dette qu'il nous doit, je vais continuer à voler des choses. Ah, ça c'était déjà pas mal ça. La chasse est toujours présente, vous pouvez bien sûr chasser divers animaux, récupérer la peau en les dépeçant. Le dépeçage est excessivement bien fait. Oui. Ils se sont attardés sur un dépeçage fait en bonne et due forme. Enfin bon, c'est plutôt facile quand on les voit dépecer, mais bon, c'est plutôt bien fait, c'est assez surprenant d'ailleurs. Allez, on va faire venir le cheval. Ah, ben tiens, pendant que j'y suis. Ne vous y méprenez pas, hein, j'adore les animaux, mais attendez. Hop. Ce tèche que j'ai pris. Bref, pourquoi j'ai donné une beigne à mon cheval? Tout simplement parce que même si le cheval vous appartient, il est de votre devoir quand il prend des balles ou quand la situation est trop frustrante pour l'animal. C'est à vous de l'apaiser, même si le cheval est le vôtre depuis X temps, vous avez un niveau d'affinité avec votre cheval et toute action que vous allez faire avec lui, le brosser, le caresser, le nourrir, augmentera la confiance qu'il a en vous et augmentera d'ailleurs ses statistiques. Dans l'édition basique du jeu, vous avez un code qui est inclus dans le jeu qui vous permet de débloquer ce cheval que je dispose. Son nom c'est Pur Sang, c'est un simple Pur Sang, mais il a des capacités beaucoup plus grandes que les précédents chevaux. Du coup, c'est bon, voilà, il récupère son chapeau. Oui, vous pouvez le récupérer, mais bon, une fois que vous êtes sur le dos de votre cheval, vous pouvez aussi bien le récupérer directement. Voilà, bref, il y a une affinité avec votre cheval, et ça, c'est vraiment sympa. Et de toute façon, l'écurie qu'il y a dans chaque ville vous permettra d'acheter ou de mettre dans un box votre cheval pour pouvoir changer en fonction des différents aspects des chevaux. Ils ont donc, du coup, différentes caractéristiques qui peuvent s'offrir pour un gameplay plus plaisant en fonction de votre style de jeu. Bon, la mission est terminée, je vais rendre ce que je dois. Donc du coup on va switcher parce que c'est un petit peu long à faire. Je vous retrouve de suite. J'étais sur le chemin, mais là vous voyez il y a une petite... C'est pas une quête réellement, mais c'est un petit événement qui s'amène. Il y a une femme d'origine africaine sûrement à vue d'œil, qui est dans une cage. Donc je pense que ça doit être une esclave vu l'époque fin des années 1800. Et elle était amenée par deux cow-boys. Que j'arrive. Ah non, j'arrive pas à toucher l'autre. Bon allez, on va appeler le cheval et on va aller poursuivre la carriole. Vous voyez, même si du coup je fais le bon samaritain à essayer de sauver une pauvre femme destinée à une future vie de, je sais pas, de boniche dans un grand manoir ou dans une plantation autre, voilà. Eh bien, je suis quand même recherché, vous le voyez en haut à droite, donc du coup, parce que j'interfère dans... en fait, ce qui semble être la loi de l'époque, en fait, pour eux, c'est tout à fait logique à ce moment-là, avec l'esclavage, mais du coup, si on veut sauver une esclave, avec notre code moral à nous, je parle de façon dans la vie réelle de nos jours, voilà, on aurait forcément envie d'intervenir quand on voit ça. Du coup, on sent que les époques ont bien changé. Et malgré tout, voilà. On a beau faire une bonne action, on est quand même recherché du coup par les forces de l'ordre là actuellement. Les shérifs, marshals et autres. C'est bon, le bullet time n'avait pas marché une première fois. Le bullet time c'est juste au-dessus de ma minimap. Vous le voyez... Ah, il y a un témoin. Merde, reviens. Ah, je vais pas le tuer quand même. Je vais le choper au lasso. Je vais le choper au lasso et le ligoter. Allez, reviens. Je déteste courir après ces types. Il a une démarche Arthur quoi, il court vraiment. Voilà. Bon, du coup je vais te ligoter et ça va être parfait. Voilà, comme ça t'iras pas te plaindre auprès des flics. On peut fouiller ensuite même les corps ou ceux qu'on a ligotés.
Voilà. Et là, d'ailleurs, j'ai eu une petite vignette à droite de l'écran, ce qui fait que c'était une mauvaise action, parce que cette personne n'avait rien fait, et je l'ai volé. Du coup, voilà. Comme je vous ai dit, toute action a une réelle répercussion sur votre, sur votre honneur, en fait, dans le jeu. Maintenant, on va sauver la dame, quand même. Et parfois, ces personnes peuvent débloquer quelque chose. Ils vous proposent des missions, des contrats, ou même vous donnent directement une récompense une fois libéré. Et ça, c'est vachement sympa. C'est hors de la trame principale, et ça ajoute beaucoup plus d'heures au jeu. Préparez-vous à plus de 80 heures de jeu gameplay bien conséquent. Si vous faites en plus le tout, on dépasse allègrement les 100 heures. Voilà, madame a été sauvée. Mon cheval s'est fait renverser par la carriole au fond, c'est génial. Je vais le nourrir du coup pour lui faire remonter sa vie. Et le bullet time, comme je disais, au-dessus de ma map, il y a différents symboles. Il y a de gauche à droite la santé, l'énergie et le sang-froid. L'énergie, c'est pour l'endurance. Le sang-froid, donc du coup, c'est pendant le temps que je peux faire le bullet time. Et la santé, vous l'aurez compris, c'est ma vie. Vous devez manger ou prendre divers fortifiants pour pouvoir faire perdurer l'effet. Ou juste re-augmenter ce que vous avez. Enfin, regagner, pardon, ce que vous avez perdu. On va nourrir le cheval, comme ça je vais gagner un petit peu plus encore en affinité avec le pur sang. Et on va aller rendre la quête. Du coup, voilà. Donc je rescinde jusqu'à que j'aille rendre la quête, comme ça on évite le spoil. Et on va partir sur une séance de bon gameplay avec du bon gunfight, parce que je pense que c'est ça qui vous démange. Vous attendez impatiemment ce genre d'action. Donc on s'y retrouve. Donc je suis dans une autre ville. Durant le chapitre 2. A savoir que j'ai recommencé le jeu, je suis un petit peu plus loin, mais j'ai voulu recommencer pour vous montrer uniquement le début et pas vous montrer une phase trop lointaine dans le jeu. Comme d'habitude, j'essaie toujours de limiter le spoil. Il s'agit d'un dégât de la bande en fait. Et bon, comme il a été chopé, je dois aller le libérer. A savoir, je vous parlais du graphisme. Si vous hésitez sur le choix du support sur lequel prendre le jeu, si vous voulez le graphisme le plus. Le plus puissant, le meilleur rendu possible en termes de framerate, etc. Eh bien, figurez-vous que Microsoft gagne haut la main par rapport à Sony. Sur Xbox One X, le graph est excellent comparé à une PS4 Pro. Même si là, sur PS4 Pro, là, comme vous pouvez le voir, bah, ça reste quand même très, très, très beau. Enfin, je trouve, personnellement. Mais je suis obligé de le reconnaître. Je suis néanmoins un pro Sony. Mais bon, je suis pas là pour alimenter la guerre des consoles. Ayant les deux... Déjà que c'est inutile. Oh la bastos qu'il lui a mis! Et du coup, voilà, la scène de gun commence. Et on va devoir s'échapper, on a toute la ville à dos. Donc, du coup, voilà, Microsoft l'emporte haut la main sur la qualité graphique de Red Dead Redemption 2. Donc, si vous êtes un joueur qui aime jouer au jeu pour ses graphismes avant tout, eh bien, je vous conseille de le prendre sur Xbox si vous avez les deux consoles. Et puis, sinon, si vous n'avez que la Xbox, ben, tant mieux, vous êtes bien rendu. Ah mais je l'ai pas tué, ouais. Il a pris deux balles dans le buffet mais ça suffit pas. Ouais, faut viser le torse ou la tête de toute façon généralement. Diverses armes vous seront proposées. Je vous parlais précédemment aussi de l'écurie dans le jeu pour avoir divers chevaux, les mettre dans les box, etc. Acheter du coup une selle, du matériel de pansage pour le cheval. Mais après vous avez divers commerces dans les villes. Hein. Barbier, saloon, le gun shop, le drugstore, les banques, les boutiques lambda pour acheter du consommable. Il y a absolument de tout pour faire avec de l'interaction dans le jeu. S'il vous manque des balles, fouillez, sinon allez dans les armureries pour vous en acheter. Faites attention aussi aux ordinateurs qui vous entourent, cheval ainsi que genre mon collègue à côté. S'il décède, eh bien le jeu doit. Enfin la mission doit être recommencée. Mais si votre cheval meurt, par contre, vous le perdez définitivement si vous n'avez pas les soins adéquats pour pouvoir le sortir d'une mort certaine. Donc c'est un petit peu punitif, certes, mais l'avantage avec ce cheval que je vous ai présenté, qui a d'excellentes caractéristiques, croyez-moi, c'est que comme vous l'avez eu avec un code, le cheval est illimité au box et il vous coûte 0$. Donc c'est une bonne nouvelle, mais bon, ça fait chier de perdre toute l'affinité gagnée avec votre canasson. C'est bon, j'ai réussi à lui mettre le marqueur dans la tronche à l'autre. Parfait. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, je le fais courir, donc le gameplay est légèrement plus dynamique, mais croyez-moi, enfin, je sais pas si vous le voyez, si vous avez été un gros adepte de RDR1,
vraiment, c'était plus vif dans le premier que dans le 2. Après, c'est un gameplay, comme je vous ai dit, qui lui convient très bien. Néanmoins, voilà, une petite touche de dynamisme en plus, ah, c'est pas négligeable selon moi, je trouve. Allez, ouvre-lui la porte. Il lui a mis une bastos dans le foie gras, ma parole. Bon, mais je vais t'attendre. Je vais essayer de re-augmenter. Donc l'espèce d'œil avec la croix, là, c'est... C'était mon sang-froid pour le bullet time, il vient de remonter. Donc les barres, les arcs de cercle qui sont sur le côté, c'est ce qui va d'abord se dégrader avant que le logo principal, lui, ne vire au gris et même à s'effacer du symbole. Ça veut dire que vous n'en aurez absolument plus du tout. Donc voilà, le tonifiant vous sert à augmenter ses quarts de cercle, tandis que la nourriture directe vous permet de remonter le symbole en question. Je viens d'augmenter mon sang-froid. La bande-son est monstrueuse. Les musiques, les sons des armes, l'immersion est garantie, je vous l'assure. Le 19 sur 20, il le mérite, clairement, et puis ça fait plaisir. Depuis qu'on a un Red Dead, on avait connu Red Dead Redemption, premier du nom, sur Xbox 360 et PlayStation 3, c'était juste un truc de fou. Vivement le mode online. Allez, on va prendre les chevaux. Ça aussi, c'est une phase assez intéressante parce que du coup, les types vont nous poursuivre à cheval et vous allez voir donc du coup du gunfight à dos de destrier. Voilà, on va prendre le double canon comme ça au moins. Ils vont pas faire les malins. Bam, voilà. Moins 1 et moins 2. On vient de tuer un shérif, c'est génial. Ma cote de popularité grimpe en flèche. Recherché mort ou vif. J'étais déjà recherché avant, mais bon. Là, je suis encore plus mort ou vif. Donc voilà, faites attention aussi, voilà, votre cheval, ce sont les deux autres symboles qui se cumulent en haut de la map. Donc du coup, c'est son énergie suivie de sa vie. Et son énergie, il peut y avoir un point d'exclamation, c'est-à-dire que le cheval, du coup, avec tout ce que vous faites qui est assez anxiogène, eh bien du coup, il panique complètement. Et vous êtes obligé d'appuyer sur la touche L3 quand vous êtes sur son dos pour pouvoir l'apaiser. Et croyez-moi, quand il panique pendant les fights, mon dieu que c'est chiant. Vous avez plus de destrier, plus de move, c'est incroyable. Et un ennemi qui est sur un cheval et vous à pied, croyez-moi que l'un des deux a une grosse différence par rapport à l'autre. Je vous laisse deviner qui. Ça c'est trop bien, ils sont toujours tirés par les chevaux quand on leur flingue, quand on leur tire dessus. Le mode ragdoll est super bien fait. Ça reste du coup un GTA-like vu que c'est fait par Rockstar Games. Mais c'est vraiment top. C'est le mouvement des corps, la motricité, c'est super bien fait. Eh bien, je crois que ça y est, on leur a échappé. Non, ça y est, ouais. C'était le dernier. Ouais. Ouais, faut dégager. Ouais. Bon, voilà. Dernier conseil que je pourrais vous donner, j'avais parlé de la chasse et du dépeçage. Vous avez un arc dans le jeu, je vous conseille grandement de tirer à l'arc sur les bêtes que vous voulez chasser, parce que les armes à plomb dégradent la fourrure et la qualité de la chair, ce qui fait que vous pouvez le vendre moins cher, et si vous voulez le manger pour vous-même, eh bien les effets seront moins bons pour votre personnage. Ils seront pas au top niveau des pourcentages qu'ils pourraient vous donner. Voilà. Sinon, je pense à peu près avoir tout dit pour un petit test de gameplay découverte garanti sans trop de spoil. Je vais m'arrêter là en espérant que ce que j'ai pu vous montrer, les différents aspects du jeu, vous donneront l'envie de vous acheter ce jeu. Croyez-moi, le 19 sur 20, il le mérite. Sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde et à ciao.